prendrais un petit café, moi. Pas toi? Bonjour à tous, bienvenue dans Double Expresso. On a rendez-vous tous les soirs ensemble pendant 10 jours, jusqu'au départ de la Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre. T'es parfaite celle-là. Pourquoi Double Expresso? Parce que cet événement, c'est la route du café. Et pourquoi double? Parce qu'ici, tout est affaire de duo. C'était bien démarré avec le vélo, mais là j'ai envie de marcher un peu, découvrir un peu tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses? On vient d'arriver, on n'a pas trouvé les Ocean 50, ils sont où? Ah, ils sont juste sous tes yeux. Ah ouais, je crois que c'était les Imoca de ce côté-là, moi. Non, c'est des trimarans, ils ont trois coques, et c'est les plus beaux bateaux de la flotte. Il y a quatre bateaux, classe 40, Imoca, Ocean 50 et Ultime. Ça fait rêver ces bateaux, non? Oui. Vous en pensez quoi? Il est garé où le vôtre? Bah non, non. Je suis désolé, ça fait rêver de les imaginer en pleine mer, comme ça, vraiment. On rajoute pas un peu, là? Si, un peu. Vous êtes en train de faire quoi? De mateloter. Mateloter. En fait, je suis en train de refaire une brise de spi. Oh là, attention, ça jargonne. Moi, j'y connais rien à la voile. Ouais, c'est pas gagné, quand même. Ils ont quand même le souci du détail, hein, les marins. C'est pas moi qui rangerai mon petit bout comme ça, je vous assure. Donc, ouais, un petit réglisse. Magnifique. Bon, faut quand même qu'on arrive à aller sur un bateau, Antoine. Hein. Bah, vas-y, choisis. C'est vrai, c'est possible? Bon, merci. Yuck. Alors là, vous êtes en train de faire un sac, c'est un sac étanche. Voilà, c'est marqué sac de survie, avec le nom du bateau. Vous avez forcément un petit truc qui va vous redonner le moral là-dedans? Il y a des rations de survie, mais c'est du compacté, c'est vraiment pour rester en vie. Bon, moi, si j'avais de la place, j'emmènerais un saucisson. Ouais, je suis assez serein, il n'y a pas de très haut. Il se passe quoi? Il y a un monsieur sous l'eau, là, qu'est-ce qui se passe? C'est possible d'aller faire du trampoline sur le filet de ce bateau. Son chaud, c'est plus là. On est à l'inauguration des plaques des anciens vainqueurs, on essaie de se faufiler. C'est un peu Hollywood Boulevard quand même ici. Le but, c'est d'avoir un petit mot d'humeur. Je vais avoir deux, trois petites questions pour Double Expresso. Vous allez insister, mais après que j'ai passé mon... Pas de problème. Dis-moi. C'est marrant. Bon, là, on se dirige vers la soirée d'inauguration. J'ai deux objectifs. Rencontrer deux, trois personnes pour prendre des contacts pour toute la semaine et goûter le gâteau. Là, vous le voyez pas, mais Antoine, derrière la caméra, il a très envie de faire la fête. Alors, on va au Magic Mirror, on est un petit peu les premiers arrivés, j'ai l'impression. Vas-y. Un tout petit mot. La voile, moi, c'est pas mon truc. Vous y connaissez un petit peu, vous? Bah, moi, j'aime bien être sur un bateau, mais je suis pas un spécialiste. Bâbord, tribord? Ouais, ça va. J'ai bien compris que c'était pas devant et derrière. Bon là c'est l'heure d'y aller, j'ai absolument tout goûté, j'ai jamais vu autant de café. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Double Expresso. Il va faire beau toute la semaine, je le sens, je vous l'annonce.